Je vais devoir laisser la place à notre papa. De quoi te dire, oh, car je vais vous aider. Car le papa peut s'arrêter de vous aider de la bonne. Acclamons très fort pour le Seigneur. J'aimerais que nous puissions donner un temps de plus à nous acclamer. Alléluia. 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 Amen. Demain, 45 minutes qui nous restent. Je vous dis la vérité, ce sont des minutes bénies pour toi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous prions sortis de ce cadre à 19h30. Et je dois déjà vous dire, il y a 7 personnes. Que cette personne ne vienne pas te dire, mais toi va annoncer, parce que le vrai sauvé annonce. Amen. Mais il n'attend pas qu'on fasse annonce. Alléluia. Amen. Va dire à cette personne 45 minutes de délivrance, de déchèvement, de salut, de bonheur, de paix. Dis tout ce que tu dis. Alléluia. Alléluia. Thank you.
Je sais que ton Dieu t'a écouté. Père éternel, c'est toi qui as orchestré ce programme. Je te dis merci. Il n'y a rien d'hasard devant toi. Manifeste ta gloire. Que ton onction soit permanente. Sur ton peuple. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse. Et je bénis l'homme de Dieu qui m'a pris en violence. En violence. Amen. Amen. Nous prenons nos Bibles. Étant debout, s'il vous plaît, pour le respect de la parole. Nous prenons Psaume, chapitre 1er. Psaume, chapitre 1er. Nous lisons à partir du verset 3. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit à sa saison, et dont le feuillage ne se réduit point, tout ce qu'il fait lui réussit. Dites à ton voisin, tu es cet arbre. Autant de tes causes. Dis encore plus fort, tu es cet arbre. Le bas de ma casse, autant de tes causes. Deuxième texte. Matthieu. Montana à Matthieu. Chapitre 15. Mon chapeau, à partir du verset 13. Maintenant, il y a tout mis à mi-temps. Matthieu, il répondit : toute plante qui n'a pas planté mon Père, son être. Déracinant. C'est raté. Tu peux encore répéter, mon frère? Il répondit, toute plante qui n'a pas planté mon Père céleste sera déracinée. Dites à ton frère qu'aujourd'hui, tout ce qu'on a mis en toi sera déraciné. Amen. Amen. Troisième et dernier verset. Esther. Chapitre 1er. À partir du verset 10. Le septième jour, comme le cœur d'ivoire était réduit par le vin, il ordonna à Mahoum, Mehoumaman, Bita, Erbona, Bita, Abakta, Zeta et Caracas, les sept filles qui servaient devant le roi Assyrus. Continuons. D'amener à sa présence la reine Vati, avec la couronne royale pour monter sa beauté au peuple et au grand, car il était plein de filles.
car elle était belle de prier. Mais la reine Bathsheba refusa de venir quand elle reçut par les eunuques l'ordre du roi. Et le roi fut très irrité et il fut enflammé de colère. Alors le roi s'adressa au sage qui avait la connaissance des temps, car ainsi s'est traité les affaires du roi, devant tous ceux qui connaissaient les lois et les droits. Il avait auprès de lui Karchéna, Cheta, Admata, Tarsis, Menes, Mercénan, Marcénan, Memoukan, sept princes de Perse et de Médie, qui voyaient la face du roi et qui occupaient le premier rang dans le royaume. Quelle loi dit-il faut-il appliquer à la reine Vachée pour n'avoir point exécuté ce que le roi Assyrie lui a ordonné par les ennemis? Memoukan répondit devant le roi et les princes, ce n'est pas seulement à l'égard du roi que la reine Vachée a mal agi, c'est aussi envers tous les princes et tous les peuples qui sont dans toutes les provinces du roi Assyrie. Car l'action de la reine parviendra à la connaissance de toutes les femmes et leur portera à mépriser leur mari. Elles diront, le roi Assyrie avait ordonné qu'on amena en sa présence la reine Vachée et elle n'y est pas allée. Amen. Amen. Chapitre 2. Pour comprendre bien le texte, premier verset, jusqu'à 3. Après ces choses, lorsque la colère du roi Assyrie se fit calmée, il passa à Vachée, à ce qu'elle avait fait et à la décision qui avait été prise à son sujet. Alors ceux qui servaient le roi dirent qu'on cherche pour le roi des jeunes filles vierges et belles de figure, et le roi établisse dans toutes les provinces de son royaume des commissaires chargés de rassembler toutes les jeunes filles vierges et belles de figure à Suse, la capitale, dans la maison des femmes, sous la surveillance de Dieu, unique de roi et gardien des femmes, qui leur donnera les choses nécessaires pour leur toilette. Verset 7. Il élevait Adassa, qui était Esther, fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille et belle de figure. À la mort de son père et de sa mère, Mardochée l'avait adoptée pour sa fille. Quand tu continues? Lorsqu'on y publié l'ordre du roi et son édit, et qu'un grand nombre de jeunes filles virent rassemblées à Suse, la capitale, sous la surveillance des guerriers, Esther fut aussi prise en conduite dans la maison du roi, sous la surveillance des Gaïs, gardien des femmes. La jeune fille lui plut et trouva grâce devant lui. Il s'empressa de lui fournir les choses nécessaires pour sa toilette et pour sa subsistance, lui donna sept jeunes filles choisies dans la maison du roi et les plaça avec ses jeunes filles dans le meilleur appartement de la maison des femmes. Esther ne fit connaître ni son peuple, ni sa naissance, car Mardochée lui avait défendu d'en parler. Et chaque jour, Mardochée allait et venait devant la cour de la maison des femmes pour savoir comment s'est portée Esther et comment l'ont traitée. Chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assyrie après avoir employé 12 mois et s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes pendant ces temps. Elle prenait soin de leur toilette 6 mois avec de l'huile de myrrhe et 6 mois avec des aromates et des parfums à l'usage parmi les femmes. Dernier verset, chapitre Esther 5, premier verset. Esther 5. Chapitre 5. Premier verset. Le troisième jour, Esther mit ses vêtements royaux
et se présentant dans la cour intérieure de la maison du roi. Devant la maison du roi, le roi était assis sur son trône royal, dans la maison royale, en face de l'entrée de la maison. Le roi. Lorsque le roi vit, la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux, et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main, et Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Donc, vous pouvez finir la parole de Dieu, mon apôtre. Prenons la place. Je suis dans la joie de partager ce moment avec vous. Car je sais qu'à chaque fois que Dieu mandate son serviteur, c'est pour un but. Alléluia. Amen. Car ce que Dieu m'a donné, c'est pas nécessairement à moi, mais c'est pour vous, c'est pour le peuple de Dieu. Je vais intituler rapidement ce message que aujourd'hui, ce soir, nous allons transférer tout ce qui n'est pas de toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous vivons dans un monde spirituel. Tout ce qui se fait sur la terre, dans la famille, dans une nation, passe d'abord dans le monde spirituel. Dieu a dit à Abraham, si tu sauras compter ta postérité, sors de ta maison et lève tes yeux au ciel. Et Abraham sorta, regarda le ciel, il a vu les étoiles. Et Dieu a dit, telle est ta postérité. Alléluia. Amen. Nous sommes la postérité d'Abraham. Alléluia. Amen. Comme Abraham a régné, toi aussi tu dois régner. Mais dès lors que nous venons dans une famille, il y a des choses qui commencent à se compliquer. Il y a des paroles négatives, pour être clair, qui se lancent sur les enfants. Il y a aussi des familles interdites, déjà envoûtées ou ensorcelées depuis. Alors c'est là où il y a des transferts de nos vies pour un malheur quelconque. Alléluia. Amen. Mais comme Dieu est Dieu, c'est pourquoi Dieu a dit, tout arbre que l'Éternel n'a pas planté sera coupé. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, comme aujourd'hui c'est la prière, nous allons prier très fort que Dieu, dans sa miséricorde, qu'il nous fasse un transfert. Alléluia. Amen. Peu importe le temps et la durée, Dieu est le maître des temps et des circonstances. Choses. Alléluia. Amen. Il y a eu un temps où Vasti a régné. Alléluia. Amen. Mais Dieu savait qu'il viendra un temps où la reine ou la gloire de Vasti sera arrêtée. Et dis à quelqu'un ce soir, on choisit la partie.
ce livre était pour eux. Ne soit pas effacé, ou cette histoire ne soit pas effacée. Nous sommes où il y aurait pour la terre. Mais écris-le pour notre génération. Alléluia. Amen. Parce que Dieu veut faire de la même manière qu'il a fait à Esther et ses soeurs. Dieu veut le faire. Le lion va faire qu'il porte, si peu importe, même si le pays est malade. Même si l'économie est par terre. Dieu ne tient jamais compte de l'économie du pays. Dieu est capable de changer un gouvernement pour amener ses enfants à l'élévation. Si cette parole vient de Dieu, si cette parole est la pensée de Dieu, Dieu seul affirme sa parole. Les témoignages de deux personnes est la parole. Je déclare ce soir. Il est fidèle. Il est fidèle. Alléluia. 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 Amen. Mais bien aimé dans le Seigneur, il y a beaucoup de gens qui ne vivent pas la vie. Parce que le diable a changé sa place. Nous vivons dans un monde de transfert. Vous savez, le monde de ténèbres peut prendre de quelqu'un un nom et on va le fait quitter sur la terre et le moyen il le fait entrer au cimetière. Et par contre, ici un peu dans la limite, c'est un transfert. Alléluia. Amen. C'est un transfert. Et ça continue d'abord. Le diable peut prendre de ton étoile. Il la donne à une autre personne. Toi, tu t'aimes. Toi, tu plais. Mais ton étoile est ailleurs. Aujourd'hui, le long, ce soir, ton étoile ne sera jamais volée. Amen. Tu vas occuper ta place. Alléluia. Amen. Est-ce que tu étais une étrangère dans un pays étranger? Orphelin de père et de mère. Oh, dans sa vie, Dieu a écrit, c'est lui qui régnera un jour. Mais elle s'est retrouvée orpheline dans un pays étranger avec son oncle. Alléluia. Amen. Comme Dieu est Dieu, Dieu savait que toi là, un jour, il te ramènera dans sa place. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi il s'est dit qu'il est le maître de temps. Alléluia. Et les circonstances. Laisse que Dieu puisse te faire du bien. Laisse que Dieu puisse te faire du bien.
Ce que tu fis aujourd'hui, les noms, par ta parole. Tu peux les couper. Le Seigneur au capable. Tu peux les couper. Le Seigneur au capable. Le Seigneur au capable. Le Seigneur au capable. Alléluia. Amen. Jésus, J'accepterai. Aujourd'hui,
Tu t'es levé sur ma vie. Tu t'es levé sur ma vie. Tu es un héros. Tu es un héros. Qui se lève contre mes ennemis. Qui se lève contre mes ennemis. Lève-toi ce soir. Lève-toi ce soir. Contre mes ennemis. Contre mes ennemis. Qui ont volé ma destinée. Qui ont volé ma destinée. Qui ont changé mon étoile. Qui ont changé mon étoile. Aujourd'hui, aujourd'hui, que ton sang me transporte à ma destinée, à ma destinée, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci, merci de m'avoir pardonné, de m'avoir pardonné. Et je te prie, et je te prie, à l'instant même, à l'instant même, que ta gloire, que ta gloire, inonde de ma vie, inonde de ma vie. Car tu l'as déclaré, car tu as déclaré. Cela ne dépend pas. Cela ne dépend pas. Pour celui qui court. Pour celui qui court. Ni celui qui veut. Ni celui qui veut. Mais c'est pas ta grâce. Mais c'est pas ta grâce. Aujourd'hui, aujourd'hui, fais-moi grâce. Fais-moi grâce. De vivre ta gloire. De vivre ta gloire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qu'est-ce que je fais? Je veux prier. Nous ne sommes rien. Tous à papa. Nous te prions, Seigneur. Ton père et colo. Que ta gloire. Quel bonheur. Que ta gloire. Quel bonheur. Touche ma vie. Et si pas vous. Touche la vie de tes enfants. Et si pas vous. Merci, Père. Parce que tu m'as exaucé. Je déclare. Laisse les ciels ouverts. Déclarons le pouvoir. Dans les cimetières, dans le monde marin, sous la terre, je déclare et je donne l'ordre que tout soit restitué. Que cela soit coupé au nom de Jésus. Que cela soit coupé au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois l'esprit. Il n'y a pas mon livre. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sur le sang de Christ au nom de Jésus.
Dieu de mon alliance. Le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Manifeste-toi. Pour ta gloire. C'est toi qui as parlé. Que Dieu confirme sa parole. Père, merci. Jésus, alléluia. Tu as parlé, honoré. Nous n'avons pas écouté ton invité. Nous n'avons pas écouté ton invité. Je t'ai pris au père, ma pauvre de tata. Fais-nous grâce d'entendre dans notre âme. Salabiso, Guru, Toyoka, Namoroka. Merci, père. Ma pauvre de tata. Oh, la machine. Soyez, 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 soy
Acclamons le Seigneur. La Bible déclare le témoignage des deux personnes est approuvé. Moi je parlais, Dieu a approuvé. Soyez bénis, soyez prospères. Amen. Amen. Maintenant, on va faire ceci. Amen. On va préparer une offrande. Tous ceux qui sont là, vous prenez l'enveloppe. Et demain à 5h du matin, parle de tout ce que tu veux dans ta vie. Sur cette offrande. Quelqu'un m'a écouté? À 5h du matin, prends ton offrande, lève-toi, mets même l'alarme sur ton portable. Lève-toi à 5h. Mets ton offrande sur la velotte, demande tout ce que tu veux. Dieu a dit, je te donne ta part. Et que les portes de ma vie s'ouvrent. Dieu, ce Dieu-là, je nous connais de côté maintenant. Amen. Acclamons le Seigneur. Thank you.